Alors, je vous invite à vous installer confortablement. Lorsque vous allez refaire à la maison cette séance, que vous soyez sur une chaise, sur un fauteuil ou sur un lit, durant la séance, vous pouvez bouger, changer de position, vous gratter si cela vous démange. L'essentiel est toujours de laisser votre corps s'installer le plus confortablement possible. Et dans un premier temps, quand vous êtes bien installé, je vous invite à laisser les paupières se fermer, comme pour se retirer un instant, le temps de cette séance, se retirer du monde extérieur. Vous savez, c'est un peu ça l'hypnose, c'est un moment avec soi, lorsque l'on est connecté à ses propres sensations. Laissez la respiration aller à son rythme. Observez-la, sans chercher à l'influencer, et simplement observez les mouvements de ce corps qui se gonfle et se dégonfle à chaque respiration. Et sentez comme c'est de plus en plus agréable de laisser le corps s'installer davantage dans le calme à chaque respiration. Durant toute cette séance, vous n'êtes pas obligé de lâcher prise, comme on dit. Vous pouvez simplement vous détendre un instant, sans chercher à le faire consciemment d'ailleurs. Laissez juste votre corps et votre esprit le faire pour vous, à leur propre rythme, à leur façon. Et imaginez qu'à chaque fois que vous respirez, à chaque fois que vous soufflez toutes les tensions. Et à chaque inspiration, c'est le calme qui vous envahit. Et alors que vous avez les yeux fermés, vous tournez votre regard vers l'intérieur de vous-même pour observer tout simplement la sensation de relaxation, de détente qui vous envahit peu à peu. Vous pouvez concentrer votre attention sur les sensations dans vos pieds. Tout simplement, observez les sensations dans les pieds, dans les orteils, le contact avec le support où les pieds sont étendus, le contact avec les talons. Et puis, en remontant votre attention un peu plus haut, vous pouvez observer également les sensations dans les cuisses, la manière dont elles sont posées là, détendues. Et puis, prendre conscience des points d'appui de votre corps contre le support où vous êtes installé. Et remarquer la différence des sensations entre les parties du corps qui sont en contact avec ce support et celles qui ne le sont pas. Vous pouvez être très attentif à toutes les autres sensations. Peut-être demander les parties du corps qui sont plus détendues que les autres, puis tout simplement observer ce qui se passe sous vos paupières fermées. Parfois, on peut sentir comme des tressaillements dans les paupières, comme si elles bougeaient très rapidement. Et pour d'autres, c'est simplement un kaléidoscope de couleurs, de lumière. Et vous pouvez simplement observer tous ces changements qui
qui démontre que vous entrez déjà dans un état particulier, à la fois ici et en même temps ailleurs. Et j'aimerais que vous concentriez toute votre attention à laisser la détente et la relaxation s'installer dans tous les muscles de votre corps, dans toutes les fibres de votre être. Commencez par laisser la relaxation détendre les muscles du front et du cuir chevelu, les muscles des yeux, des paupières qui sont entièrement relaxées. Les mâchoires sont décontractées. Laissez les dents se desserrer. Laissez tous ces petits muscles se détendre. Les muscles du cou, de la nuque aussi, qui se relâchent. Les muscles des épaules sont bien décontractés maintenant. Et avec chaque respiration, vous vous détendez de plus en plus profondément. Les muscles de la poitrine qui se relâchent. Cette agréable relaxation descend dans les muscles de l'abdomen. Vous vous sentez de plus en plus tranquille, paisible. Concentrez votre attention sur les muscles du dos. Sentez la partie du dos contre le support où votre corps repose. Vous pouvez imaginer tout ce qui vous fait plaisir. Vous pouvez par exemple imaginer que votre esprit a des dizaines de petites mains qui massent votre dos, malaxent les muscles, les réchauffent, leur permet de devenir mou et détendu, relâché. C'est très bien. Et cette confortable relaxation s'écoule depuis vos épaules, dans les muscles des bras et les muscles des avant-bras, jusqu'aux poignets, dans les muscles des mains, des doigts. Vous sentez cette détente jusqu'au bout des doigts, très tranquille. Ici, tous ces muscles si souvent sollicités n'ont rien à faire de particulier maintenant. Alors, pourquoi ne pas les laisser ne rien faire? Rien à faire, personne à satisfaire. Juste vous permettre d'être là, dans cet état paisible. Cette détente descend dans les muscles du bassin, dans les cuisses, comme une vague de confort qui vous envahit entièrement. Les muscles des mollets, les muscles des chevilles sont bien relaxés maintenant. Sentez les muscles des pieds être détendus, même dans les orteils. Tous les muscles de votre corps sont confortablement relaxés et vous éprouvez cette sensation de bien-être, de confort. C'est bien.
Cet état hypnotique s'approfondit de plus en plus. Vous plongez de plus en plus profondément dans cet état paisible. Les bruits de l'environnement que vous pourriez entendre vous aident à vous relaxer encore plus. Vous entendez clairement ma voix, et à mesure que ma voix parvient à vos oreilles, vous vous laissez aller encore plus. Vous plongez plus profondément encore dans une détente entièrement agréable, confortable. Votre cœur bat calmement, régulièrement, puissamment. Votre respiration est très très calme. Vous respirez lentement, profondément, régulièrement. Chaque mouvement respiratoire vous plonge encore plus profondément dans cette détente paisible où rien n'a besoin de vous déranger, entièrement calme. Et peut-être pourriez-vous laisser venir à vous l'image d'un escalier, un grand et bel escalier. Il peut être en pierre, en bois ou en métal, peu importe. Mais une chose est sûre, c'est un escalier qui vous plaît. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs, car vous l'avez bien reconnu. C'est votre escalier intérieur. Et dans quelques instants, je vais compter de 10 à 1 pour vous. Et peut-être, comme vous vous en doutez déjà, je vais vous demander de descendre votre escalier intérieur. Et à chaque marche parcourue, à chaque chiffre que je prononce, permettez-vous d'être 2 fois plus profondément relaxé, 2 fois plus paisible. Et lorsque nous atteindrons le chiffre 1, vous serez aussi profondément relaxé que vous en avez besoin aujourd'hui. Tout ce que votre esprit inconscient peut faire pour vous aider, pour vous apaiser. 10, vous parcourez une marche de cet escalier et vous vous plongez 2 fois plus profondément dans cet état paisible. 9, entièrement calme, détendu, tranquille. 8, vous n'avez pas besoin de bouger ou de laisser quoi que ce soit vous déranger. 7, être dans cet état paisible est toujours une expérience très agréable. 6, il vous est facile d'écouter simplement ce que je dis de manière relaxée, sans aucun effort. 5, à mesure que nous avançons, vous
vous laisser glisser plus profondément dans ce bien-être. 4. Une partie de vous peut m'écouter et l'autre simplement se reposer. 3. Quelle que soit la profondeur de l'état hypnotique, votre esprit inconscient entendra autre chose. 2. Vous êtes de plus en plus proche d'un état hypnotique profond, paisible. 1. Vous vous sentez totalement relaxé, complètement détendu. L'esprit calme, le corps à l'aise. Rien d'autre ne compte que ce confort et ce bien-être entièrement calme. C'est très bien. Vous pouvez vous laisser flotter dans le temps, dans l'espace. Imaginez que vous vous promenez sur un sentier au milieu de la nature. Vous avancez sur ce sentier paisible et vous vous sentez en harmonie avec toute la nature environnante. Vous entendez un léger vent qui fait bruisser le feuillage des arbres autour de vous. Le chant des oiseaux est très relaxant. Vous sentez des odeurs très agréables, peut-être de l'herbe fraîche, les fleurs autour de vous, peut-être d'autres parfums qui enivrent vos narines. Une légère brise vous caresse le visage. Ce vent peut même danser dans vos vêtements. Vous êtes bien. Et puis vous débouchez à un moment ou à un autre sur un endroit vraiment merveilleux. Vous avez là devant vous un lac magnifique. Ce lac est calme et tranquille, lisse et sans rides. Le bleu du ciel se reflète dans le miroir de la surface du lac. Il y a des voiliers aux voiles blanches et gonflées au loin. Les ondulations de leur sillage représentent le passé, puisqu'elles s'écartent de plus en plus jusqu'à disparaître à la surface de l'eau. Le spectacle est magnifique. Vous admirez le bleu qui se reflète sur l'eau, puis le bleu du ciel parsemé de nuages blancs se reflétant à la surface du lac, présente un spectacle magnifique. Pas très loin du bord, il y a une petite île avec de très très beaux arbres, des chênes d'un vert sombre, des hêtres d'un brun rouge, des bouleaux d'un vert jaune avec les branches dentelées. Des saules pleureurs qui caressent la surface de l'eau. Il y a aussi un pont rustique légèrement incurvé. Avec une barrière en bois, ce pont amène à l'île. Alors, vous décidez d'emprunter le pont. Empruntez le pont pour visiter l'île, mais au milieu du pont, vous vous arrêtez un moment. Vous observez le lac qui s'étend devant vous. Vous fixez votre regard sur cet écran magique que
que représente la surface de ce lac, lisse, tranquille. Parfois, les oiseaux viennent troubler la surface du lac. Ainsi, les ondulations troublent l'image et dessinent des images différentes. Vous pouvez voir maintenant des images des situations passées qui suscitent en vous des émotions un peu dérangeantes. Peut-être était-ce du stress, des peurs ou de la colère, peut-être des angoisses. Et tandis que les images se succèdent à la surface du lac, c'est un peu comme un film qui s'estompe. Comme si vous pouviez voir là, sur ce grand écran magique, s'effacer ces situations qui ont pu générer ces émotions à ondes négatives dérangeantes. Et ainsi, vous vous libérez. À vos pieds, il y a un galet. Un galet de bonne taille. Vous le ramassez et vous le jetez dans le lac de manière à provoquer des ricochets à la surface du lac. À chaque ricochet, des vagues circulaires s'écartent et poussent l'eau rapidement à l'endroit de l'impact. Et ces ondes effacent toutes ces mauvaises images du passé. Et voyant ces images s'effacer, vous réalisez, oui, vous réalisez que la plupart des choses qui vous affectent aujourd'hui seront sans importance dans 10 ans. Ces ondulations sont le passé. Comme tous les sillages des voiliers, vous savez que les voiliers ne vont qu'en avant, quelle que soit la direction d'où souffle le vent. Les voiliers ne vont toujours que vers l'avant. Tout comme vous, vous n'allez que vers l'avant, en direction de la nouvelle image, cette image du lac qui est redevenu lisse et sans rides. Le calme, le bleu du ciel, les hauts nuages blancs, cette image va être dans votre esprit subconscient, représentant la sérénité. Simplement, vous pouvez laisser cette très belle image de paix et de sérénité s'ancrer dans votre esprit comme le symbole de votre sérénité retrouvée. Cette sérénité ne va pas vous quitter. Et vous pourrez la rappeler à vous, à tout moment dans votre quotidien, en vous souvenant que la plupart des choses qui vous affectent aujourd'hui seront vraiment sans importance dans 10 ans. En vous souvenant que quelle que soit la direction d'où souffle le vent, les voiliers ne vont toujours que vers l'avant. Tout comme vous, vous n'allez que vers l'avant, comme les voiliers, que vers l'avant. Et puis, vous décidez de quitter le petit pont et de revenir au bord du lac, vous installer un moment sur l'herbe fraîche pour observer ce magnifique spectacle apaisant et ressourçant. Peut-être même vous vous endormez un instant avec l'esprit calme et un sourire béat sur le visage. Vous vous sentez tellement bien. Vous êtes maintenant si relaxé et votre esprit est si sensible, si réceptif à ce que je dis, et grâce à cette relaxation profonde, vous vous
vous sentez tout simplement mieux, beaucoup mieux sur tous les plans. Vous sentez votre esprit calme, le corps à l'aise. Vous vous sentez paisible, avec un sentiment de grande paix intérieure, de sérénité. Je vais me taire pendant quelques minutes pour vous laisser apprécier ce calme. C'est bien. Je vais maintenant compter de 1 à 10 pour vous. Et à mesure que je compte, vous allez revenir dans l'ici et le maintenant, avec ce sentiment de sécurité et de paix intérieure. 1. Vous êtes maintenant relaxé, ressourcé, apaisé. 2. Vous allez bientôt laisser vos yeux s'ouvrir avec cette sensation de bien-être, de paix de l'esprit. 3. Vous vous sentez vraiment paisible. 4. Votre corps retrouve ses sensations habituelles. 5. Ses perceptions habituelles. 6. Vous revenez petit à petit à votre rythme dans l'ici et le maintenant. 7. Avec tout ce qui est bénéfique et utile. 8. En laissant tout le reste derrière vous. 9. Vous allez bientôt laisser vos yeux s'ouvrir en vous sentant vraiment bien, à votre propre rythme. 10. Prenez tout le temps nécessaire pour laisser vos yeux s'ouvrir dans l'ici et le maintenant. À bientôt.